Mesdames et messieurs, je vous invite à prendre place sans tarder et, s'il vous plaît, à faire silence, afin que nous puissions commencer à l'heure, afin de terminer avec le moins de débords possible, mais l'approche optimiste. J'attends que tout le monde s'asseye. Avec 5 minutes d'avance, ce qui nous donnera un peu plus de temps pour dialoguer, compte tenu du caractère exceptionnel de cette rencontre ce matin, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur le président. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce matin. Bonjour, Pascal Horry. Et bonjour, monsieur Jean-François Cirinelli. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ce matin pour un rendez-vous, je crois, exceptionnel, non seulement parce qu'il nous invite à réfléchir au passé immédiat et à l'avenir de notre pays en présence d'un de ses plus éminents dirigeants, l'ancien président de la République, M. François Hollande, mais aussi parce que les deux historiens non moins éminents, mais qui vont débattre avec lui, ont aussi chacun une approche très personnelle des 5 ou 6 dernières décennies qui ont profondément transformé notre pays. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui, 1958-2018, entre crise culturelle et crise politique, sera orienté selon l'angle suivant. Est-ce que le fait culturel dont Pascal Horry est spécialiste et la transformation politique dont Jean-François Cirinelli est également spécialiste sont liés à ce point aujourd'hui, et un praticien au niveau suprême comme François Hollande sera évidemment le mieux habilité pour nous aider à répondre à cette question: en quoi la transformation culturelle conditionne l'action politique, et même de façon extrêmement contraignante. Nous allons pouvoir y réfléchir ce matin. Alors, toutes ces transformations que notre pays a subies sont évidemment évoquées dans les deux livres de nos deux historiens que je vais citer, mais ces transformations se sont-elles opérées en bien ou en mal? Il va falloir, messieurs, tous les trois, nous aider à y voir plus clair ce matin. Car la transformation culturelle et la transformation politique, si elles sont allées de pair, ne sont pas pour autant limpides. Il faut démêler les fils de ce grand changement de notre société qui s'est opéré de la base au sommet. Au plan politique, la 5e République est sur le chemin du record, atteint par la 3e République, je le rappelle, 1870-1940. Donc la 3e République a atteint le record de 69 ans, et la 5e République, née en 1958, constitution du 4 octobre 1958, vient tout juste de fêter ses 60 ans, donc le 4 octobre, il y a quelques jours, avec ce double résultat pour la 5e République, qui est d'avoir réalisé la synthèse entre la monarchie et la République à travers les prérogatives très étendues du président de la République, mais aussi, c'est moins souligné, la 5e République a eu la vertu de réussir une synthèse entre la souveraineté politique et l'état de droit, comme l'a montré la montée en puissance régulière du Conseil constitutionnel, en particulier depuis 2008, et l'institution des questions prioritaires de constitutionnalité, qui rendent cette juridiction suprême accessible à tous les citoyens. Cet avancement de l'état de droit a été sans doute conditionné par, justement, les mutations profondes de notre culture collective. Il y a quelques jours, monsieur le président, vous avez exprimé une opinion assez radicale concernant les institutions de la 5e République en proposant la suppression de la fonction de Premier ministre. La question qui vient à l'esprit est évidemment la suivante: est-ce une réflexion issue de votre expérience vécue, directe, ou de votre désenchantement vis-à-vis personnel, vis-à-vis de vos trois premiers ministres successifs, l'un un peu effacé, l'autre un peu trop bouillant, et le troisième trop pris par le temps? Vous allez peut-être nous répondre. Nous serons heureux
en tout cas de vous entendre, puisque parallèlement à cette proposition de suppression du Premier ministre, vous avez théorisé dès la campagne présidentielle de 2012 et popularisé le concept de président normal. Alors, entre un président de la République qui est normal et un Premier ministre qui doit disparaître, je pense que nous attendons vos éclaircissements ce matin. Cette formule, d'ailleurs, n'a cessé de vous être reprochée, alors qu'elle avait sans doute un sens très profond chez vous. Je crois que là aussi, vous pourrez nous affranchir. Quel est donc le juste milieu du pouvoir exécutif auquel vous pensez, vous, qui l'avez exercé? Faut-il rajouter une révision constitutionnelle après les 24 révisions que la Ve République a connues? Il est clair que la politique et l'action publique sont aujourd'hui contraintes par l'environnement social, économique, intellectuel, médiatique, qui n'a plus rien à voir avec celui de 1958. Ce qui me rappelle un mot de l'excellent constitutionnaliste Guy Carcassonne, regretté: une bonne constitution ne peut suffire à faire le bonheur d'une nation, une mauvaise constitution peut suffire à faire son malheur. Vous allez pouvoir, sur tous ces sujets, Monsieur le Président, en tant que garant de la Constitution que vous fûtes, nous éclairer. Pascal Ory, dans votre dernier livre, L'entre-deux-mai, La crise d'où nous venons, 1968-1981, paru chez Alma Éditeur, livre qui vient compléter celui que vous aviez consacré à ce même sujet en 1983, vous vous livrez à une lecture très fouillé des années qui ont modifié la France en profondeur sans que l'on y accorde suffisamment d'attention. Votre point de départ est le même que celui de Jean-François Sirinelli, à savoir les 30 glorieuses, selon l'expression créée par Jean Fourastier. Les 30 glorieuses, cette période de prospérité largement mythifiée. De votre observation minutieuse des faits culturels et de votre décryptage de l'individualisme en flèche qui a caractérisé la période étudiée, vous tirez une conclusion essentielle qui, de la grande crise pétrolière de 1973 à aujourd'hui, invite à réfléchir sur la mainmise réelle du facteur économique sur toute chose. Vous soutenez que l'on peut interpréter, ouvrez les guillemets, l'individualisme comme élément d'une dialectique culturelle face au global, tout comme l'identitaire des temps postmodernes, l'identitaire des temps postmodernes, c'est-à-dire l'identitaire national, ethnique ou religieux, participerait d'une dialectique politique face à l'universel. En tout cas, estimez-vous, aucune crise économique n'aura ralenti le mouvement culturel. Jean-François Sirinelli, vous dressez pour votre part un constat sévère dans votre dernier livre paru aux éditions Odile Jacob, Vie et survie de la Ve République. Vous constatez combien nos institutions, piliers d'un régime à maints égards très efficace, il suffit de regarder les émiettements auxquels on assiste en Allemagne, en Italie et avec la variante du Brexit au Royaume-Uni, pour mesurer combien la France paraît incapable de faire face à la crise économique, à la mondialisation et aux différentes remises en cause de la démocratie libérale, dont elle est pourtant partie prenante, l'intégrante. Dans une autre lecture très stimulante, dans votre livre « Les révolutions françaises », également paru l'an dernier chez Odile Jacob, on lit cette vérité forte, ouvrez les guillemets, et je prouve cette expression, 60 ans plus tard, aux yeux d'une partie de l'opinion, le régime est devenu vieux. Et c'est l'impression que nous avons dans la Ve République. Malgré l'affirmation de ce que vous appelez une civilisation républicaine, c'est-à-dire une sorte d'identité historique qu'a revêtu à un certain moment l'État-nation France, eh bien, la France est en crise. Non pas cette civilisation républicaine n'est pas un continent perdu, source de nostalgie et de mélancolie, mais un écosystème politique qui, fruit d'une histoire, a connu une période d'équilibre et de rayonnement. Et j'aime bien cette formulation.
c'est un écosystème sociopolitique qui fuit d'une histoire. Il est beaucoup question d'histoire en ce moment, dans différentes parutions, je n'irai pas plus loin, a connu une période d'équilibre et de rayonnement. C'est cette nostalgie, idée désormais si largement employée ou manipulée par certains, qui est devenue peut-être le sentiment même d'être français, ce qui est de mon point de vue dommageable. On peut en tout cas imaginer une évolution susceptible de créer un autre cycle historique. Dans un livre d'entretien, Monsieur le Président, vous avez évoqué la notion d'insécurité culturelle formalisée par le politologue Laurent Bouvet. Cette idée d'insécurité culturelle, certains parlent même d'ores et déjà pour certains territoires de sécession culturelle, cette idée d'insécurité culturelle n'est-elle pas devenue aujourd'hui le fait majeur, assez déstructurant de l'action politique? D'abord, merci pour cette invitation. Vous nous posez beaucoup de questions et nous n'avons qu'une heure. C'est comme de régler tous les problèmes en 5 ans. Il y a des missions qui ne sont pas toujours possibles. Mais je vais répondre à deux questions que vous m'avez posées avant d'être laissé le débat s'ouvrir sur la juxtaposition de multiples crises, crises culturelles, crises idéologiques, crises politiques, qui expliquent une part de la situation de la France, largement de l'Europe et peut-être du monde occidental. La Ve République a fait la preuve de sa longévité. Mais ce n'est pas simplement pour s'inscrire dans le livre des records et de faire mieux que la Troisième République, dont on sait comment elle s'est terminée. La Ve République a été capable de dépasser des chocs, en tout cas de les surmonter, des crises, des guerres et même des alternances qui se sont succédées. Donc de ce point de vue, la Ve République est un régime solide, puisque sans avoir à bousculer les institutions, notre pays, la France, a pu résister, surmonter des chocs venant de l'extérieur ou de l'intérieur. Néanmoins, cette longévité est allée avec une instabilité croissante. Et c'est ça le sujet. Une instabilité croissante, pas simplement mesurée à l'aune des changements et des alternances, mais aussi une instabilité provoquée par le désengagement, par un éloignement du citoyen par rapport au pouvoir, et parfois une incompréhension qui se traduit ou par l'abstention ou par des votes extrêmes, même si ce n'est pas les mêmes logiques qui produisent ces comportements. La montée des extrémismes a commencé en France à partir des années 80, et n'a cessé de progresser depuis. Alors même que l'Europe, qui est profondément touchée par ce processus, n'a connu ce mouvement que plus récemment. Et les États-Unis, qui maintenant sont en pointe, puisque l'extrémisme est au pouvoir, les États-Unis ont été jusqu'au bout de ce processus. Alors, les réponses face à des phénomènes aussi lourds ne peuvent pas être qu'institutionnels. Il y a forcément des réponses à donner sur le plan idéologique, car nous vivons une crise idéologique dès lors que le libéralisme a fait la démonstration de ses inégalités sans faire pour autant surgir la prospérité, que la social-démocratie a été incapable de donner une suite à la logique de redistribution et de protection qui avait été son œuvre pendant toute la période de l'après-guerre, et que le gaullisme, qui avait été une forme de dépassement, a laissé la place à une contestation de la gauche et de la droite, qui peut se trouver à la fois dans la revendication du peuple, jugé comme le seul élément de légitimité et de force. C'est la logique populiste qui immédiatement offre à un chef l'occasion de dominer le peuple, ou en tout cas de lui ouvrir la voie. L'autre dépassement étant, de ce point de vue,
est celui d'aller chercher un dépassement des frontières et de faire de la planète la grande cause de la mobilisation civile à travers la lutte contre le réchauffement climatique. La crise, elle est également structurelle et organisationnelle, puisque les partis, les grands partis, ceux-là même qui structuraient la vie politique sous la Ve République, connaissent un effacement, un affaiblissement, dont on verra s'il est définitif ou il est simplement une période de respiration. Mais un nouveau militantisme s'est créé, un militantisme plus éphémère, un militantisme plus individuel, un militantisme qui n'a pas vocation à trouver un débouché politique, et qui donc ne se place pas dans le cœur même des institutions. Enfin, il y a une crise culturelle, dont on y reviendra, avec l'individualisme, c'est-à-dire avec la volonté que l'individu soit au cœur de sa propre destinée, et que c'est l'individu lui-même qui doit trouver le chemin. Il y a la montée des identités, identité multiple ou identité nationale, et puis il y a le retour vers un nationalisme que l'on voit aujourd'hui apparaître. Mais je vais répondre aux questions sur les institutions. Comment les institutions peuvent-elles être à la hauteur de ce qui se passe dans le pays si, en plus, on y ajoute la révolution provoquée par les nouveaux médias, les réseaux sociaux, où chaque individu pense être un parti à lui tout seul, et où il dialogue avec le président de la République quand il peut même le trouver. Donc, il y a là, par les réseaux médiatiques, par les réseaux sociaux, un bouleversement complet où tout est su et rien n'est connu, où chaque individu a toutes les informations sans avoir les clés de compréhension, et où le pouvoir est finalement pris à contre-pied, c'est lui qui donnait les informations et les clés de compréhension, et le citoyen qui y adhérait, et aujourd'hui, il ne peut pas fournir les clés de compréhension parce que l'individu pense qu'il est supérieur même dans ses niveaux d'information au pouvoir. Réponse institutionnelle. J'ai fait effectivement une proposition qui vient bien d'être, si on pense à votre explication, qui est que nos institutions, qui ont été solides, sont aujourd'hui confuses quant au niveau de responsabilité. La vraie question dans une démocratie, c'est qui est responsable et qui s'explique et qui vient devant le pays pour rendre compte. Sous la Ve République, le début de la Ve République, la chose était claire. C'était le général de Gaulle qui était responsable et qui allait devant le pays et qui cherchait sa légitimité au-delà même des élections telles qu'elles étaient prévues avec leurs échéances, avec une revendication plébiscitaire. Puis ensuite, ça s'est largement dilué, mais le quinquennat, l'inversion du calendrier, tout cela a changé considérablement la donne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Premier ministre est regardé comme n'étant pas un élément qui procède d'une élection, en l'occurrence législative, puisque c'est le président qui le nomme, et il peut même, aujourd'hui, ne pas être issu du parti majoritaire. Le Premier ministre, en plus, dispose par la Constitution de pouvoirs importants, puisque c'est lui qui détermine et augmente et conduit la politique de la nation, ce que personne ne croit. Et le Premier ministre peut penser qu'il protège le président, ce qui n'est pas sûr. Et je ne fais pas d'allusion à ce Et on dit que le président peut avoir un fusil en changeant le Premier ministre, ce qui a pu aussi m'arriver. Donc, il y a comme une prise de distance dans les relations du pouvoir avec le pays, parce que justement nos institutions n'ont pas été jusqu'au bout d'une logique. La logique, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel. C'est-à-dire un régime clairement présidentiel. Oui, sauf que dans un régime présidentiel, et c'est la grande différence par rapport... Il n'y a pas de dissolution. Il n'y a pas de dissolution, mais il y a surtout un Parlement qui joue pleinement son rôle. Or, il faut
faut bien le dire, sous la Ve République, et je pense que ça a été fait aussi bien sous la gauche que sous la droite, le Parlement, l'Assemblée nationale, ne dispose pas de pouvoir de contrôle, d'évaluation, de mise en cause de choix politiques, voire même de partage de la décision, ce qui est le cas aux États-Unis. Alors, pourquoi je pense qu'il faudra un jour, comme l'avait dit Georges Pompidou, couper le nœud gordien de nos institutions et aller jusqu'au bout avec un président qui est le chef de l'exécutif, qui rend compte devant le pays, qui peut même avoir à rendre compte devant le Parlement et un Parlement qui dispose de pouvoirs importants et pour voter la loi d'abord et ensuite pour contrôler l'exécutif. Deuxièmement, sur la conception de la présidence, parce que c'est quand même le sujet, alors même qu'il y a une demande de participation très forte, et ce qui est d'ailleurs, à mon sens, plutôt une évolution heureuse. C'est-à-dire que l'individu peut être aussi citoyen, même si j'ai indiqué tout à l'heure que son jugement pouvait être faussé, ou sa prétention parfois exagérée. Mais il y a une revendication très forte dans la société pour une prise de parole, pour une prise de participation, ce que nos institutions n'offrent en aucune façon. Donc, je comprends le risque, on peut toujours évaluer, d'avoir une présidence qui serait trop autoritaire ou une présidence qui serait trop impérieuse. Donc il est très important qu'il y ait une conception de la présidence de la République. Et la conception qui avait été la mienne, et je suis d'avis là-dessus, était la présidence normale. J'avais formulé ce concept de normalité dans une campagne électorale, celle de 2012, où chacun avait bien compris de quoi il s'agissait. Mais la présidence normal a été elle-même, pour une raison, regardée de manière critique par un certain nombre de médias en disant « Mais qu'est-ce que c'est qu'une présidence ? Elle est forcément exceptionnelle. » Oui, elle est exceptionnelle. Parce que les conditions de son exercice sont exceptionnelles. Parce que les circonstances sont exceptionnelles. Et s'il y a une période à tous égards exceptionnelle, ça a bien été le quinquennat dont j'ai été un moment responsable. En fait, vous vouliez dire que vous ne vouliez en aucun cas être un président anormal. Oui, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à la concentration des pouvoirs, par rapport au rôle qui est attendu du président de la République, par rapport aux circonstances que nous traversons et qui vont durer, car l'exception peut devenir aussi la règle, et par rapport à une demande très forte de participation et d'individualisation, il y a besoin d'une présidence qui, effectivement, se définissent, je ne vais pas le dire forcément normal, je ne le dirai plus de la même façon, je dirais humaine. On a besoin d'une présidence humaine, ça veut dire une présidence qui est à la hauteur nécessaire, mais qui n'est pas hautaine, et qui est proche, sans être pour autant familière. Donc on a besoin d'une présidence qui mette de l'humain au cœur de l'État. Et d'ailleurs, s'il y a une définition à donner aussi de ce que doivent être aujourd'hui les institutions et la politique, dans le contexte d'aujourd'hui, avec cette dureté, cette déshumanisation, c'est bien le concept humain. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a à la fois une réponse institutionnelle, mais il y a aussi une pratique du pouvoir, une démocratie humaine qui doit être formulée et dont le président doit être forcément à l'initiative. Merci, Monsieur le Président, c'est très clair. Pascal Horry, est-ce que le facteur culturel qui vient d'être évoqué par François Hollande, bien que le président ait insisté beaucoup sur l'aspect institutionnel, influe aujourd'hui comme il ne l'a jamais fait auparavant, selon vous? Ah, c'est une question évidemment pour moi fondamentale, dans le sens du mot fondamental. Avant d'y répondre, je voudrais quand même saluer François Hollande, parce qu'il le sait, nous avons été plusieurs fois côte à côte. C'était naguère jadis, et je suis très content de me retrouver à ses côtés, donc je le dis en public. Une deuxième considération personnelle, je m'arrêterai là. Quand vous avez été président de la République, je me suis répandu auprès de mon entourage pour vous dire que vous aviez beaucoup de qualités et deux défauts. L'intelligence et le sens de l'humour. Alors, surtout le sens de l'humour, c'est un très très bon défaut. Alors je vois avec plaisir que vous avez toujours ces deux défauts. Bien, oui. La réflexion que j'ai menée depuis déjà un certain temps, puisque comme vous l'avez dit, c'est la réédition très augmentée, très modifiée d'un livre paru en 83, qui posait l'entre-deux-mai, c'est-à-dire mai 68, mai 81, que ce soit bien clair,
En le relisant, je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de petit secret dans ce livre qui apparaissait dans les deux derniers chapitres. Ça s'était énormément clarifié et amplifié depuis. C'était le sens de la réédition. À savoir que dans la dialectique éternelle, peut-être pour moi, des cas fondamentaux de l'économique et du culturel, là nous étions entrés depuis, alors on peut remonter au déluge, mais certainement depuis un demi-siècle, les années 68 et la suite, et pas simplement à l'échelle française, bien que nous parlons d'abord ici de la France. Je permettrai quelques considérations plus larges, parce que la France n'est pas tout à fait seule au monde. Pour finir, nous étions entrés dans une période où, si on s'attachait à l'interprétation dans l'économie, on ne comprenait rien. Ce qui est paradoxal, puisque la fin des Trente Glorieuses, on l'indexe souvent sur la crise pétrolière, etc. Ce qui paraissait évident, c'est que la fin de quelque chose, et là, on touche au politique. Parce que le politique, ce serait la résolution pour moi de cette dialectique de l'économique et du culturel. Bon. Et on ne peut pas aller contre un certain nombre de tendances, sauf à être effectivement un saint, un martyr, qui annonce les temps de mouvement plusieurs générations après. Ça s'est noué au milieu des années 70. La fin des fameuses Trente Glorieuses, on ne va pas revenir sur le fait que ce soit mythique ou pas. Vous savez, hein, c'est dans le film de John Ford, on imprime la légende, hein, print the legend. Donc c'est la légende qui compte. Les contemporains ont vécu massivement les Trente Glorieuses comme effectivement une période de croissance avec un grand C. Ils ont vécu la suite jusqu'à aujourd'hui d'une certaine façon. Alors, d'abord en France, parce que beaucoup d'autres pays ont une autre chronologie que nous, hein, le Japon, finalement, arrive au même résultat, mais avec une chronologie très différente, etc. Ils l'ont vécu quand même comme le maintien dans une situation de crise et d'insécurité qui est fondamentalement culturelle, parce qu'il y a eu des hauts et débats sur le plan économique. Ça n'a rien changé à ce résultat politique qu'on appelle, par exemple, aujourd'hui, mais pas que, le populisme. Pour simplifier, en ce qui concerne la synthèse politique de tout ça, une fois qu'on a discuté sur le populisme, est-il bon, est-il méchant, le constat, c'est que pourquoi est-ce que les désordres, y compris écologiques, mais évidemment d'abord économiques, que rappelait François Hollande, depuis, disons, un demi-siècle, pourquoi est-ce que ça ne profite pas à la gauche? C'est ça la question fondamentale, c'est pas de dire, oui, mais vous entendez un certain nombre de leaders de la gauche radicale qui annoncent demain la subversion par les masses. La subversion par les masses, ça s'appelle le populisme. C'est donc culturel. Parce qu'à l'origine, une question tout de même, est-ce qu'il ne faut pas relier la fin de l'hégémonie intellectuelle de la gauche à la montée des populismes? Pour moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire, face à une série de désordres qui ne sont pas économiques, vous avez eu, d'une certaine façon, vous savez, l'histoire politique a un charme particulier, c'est que c'est peut-être le seul domaine de l'histoire qui soit par définition expérimental. C'est-à-dire qu'on arrive au pouvoir, on n'y arrive pas. Très, très concrètement. Alors après, il peut y avoir des coalitions, etc. Mais dans quel sens est-ce que politiquement une société va aller, y compris d'ailleurs si elle est soumise à une dictature, a fortiori pour nos démocraties libérales? Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'au milieu des années 70, Trente Glorieuses, économiques ou pas, vous avez quelque chose de ça d'impressionnant. En 1975, on sait quel est le sens de l'histoire. Saigon tombe, Phnom Penh tombe, c'est réglé. Si on était en train de faire un dîner en ville, on dirait, ben voilà, il y a une logique, on va l'appeler léniniste, je sais pas quoi, progressiste. C'est exactement le contraire. Au même moment, c'est Solzhenitsyn qui sort l'archipel du Goulag, et 14 ans après, vous avez la chute du mur de Berlin. C'est ça, le fait que vous pouvez toujours avancer des arguments, même géopolitiques, fondamentalement les sociétés n'en font qu'à leur tête. Et à l'heure actuelle, la crise, alors l'insécurité culturelle, vous pouvez être ou pas, on peut poser sur la formule, mais l'insécurité culturelle, on ne peut pas la nier, tant bien entendu qu'on peut en tirer des conclusions politiques diverses et variées. Là, je reprends le terme de populisme, sur lequel je reviens rapidement à la fin de ce livre, et puis dans un livre qui est sorti l'année dernière chez Gallimard, Peuple souverain. Fondamentalement, le génie du populisme, il n'est pas une histoire d'aujourd'hui, hein, mais d'avant-hier, et où la France a joué un rôle important, ça s'appelait boulangisme. Ça a été de proposer une solution de droite radicale dans un style de gauche radicale. Or, c'est ça qui se passe ce matin, c'est ça qui va se passer aux élections européennes, dont on peut quasiment annoncer les résultats, etc. C'est ça qui témoigne de l'importance d'avoir un raisonnement culturel où l'individualisme intervient, mais bien sûr dans cette dialectique que vous rappeliez dans la citation. Parce que, évidemment, l'hyper-individualisme, par exemple, des réseaux sociaux qui créent des cultures de niche où, au mieux, on s'insulte, à la limite, on s'insulte même plus, on est dans sa niche, voilà. Ça génère des mouvements de masse. Positivement, la massification des individus, ça a été tous ces gens avec une pancarte « Je suis Charlie ». C'est-à-dire, on avait des manifestations de masse inédites. Avant, vous aviez le service d'ordre de la CGT, etc. Bon, maintenant, vous avez des individus qui disent « Je suis Charlie, je suis Philippe, je suis ceci, cela. » Et ça fait 4 millions de personnes. Bon.
Et donc, on a des phénomènes de masse, ça peut être aussi du populisme. Et tout de même, question, comment, du point de vue de l'histoire culturelle, vous expliquez la formule que François Hollande a utilisée tout à l'heure, qui est irréfutable, la montée des extrémismes a commencé en France. Comment vous expliquez du point de vue de l'histoire culturelle? Est-ce que nous avions un soubassement favorable qui conduisait et qui attendait de s'épanouir? Est-ce que ça n'a pas été le fait des conditions économiques et sociales? Ou est-ce que ce n'est pas une crise politique qui a révélé ce fait culturel dormant? Ça n'a certainement pas été lié, indexé à une crise économique. Ça permet de poser en effet une question fondamentale, la spécificité française dans tout ça. Oui. Parce qu'à la fois, c'est bien, nos livres, Jean-François et moi, parlent de la France, mais évidemment, moi, la question que je me pose tous les matins, mais en quoi est-ce qu'on serait spécifique? Et on l'est sur un certain nombre de plans, et surtout sur le plan politique, c'est ça qui me frappe, je le signale. On est contre-cyclique, mais ça, très peu de Français, ça c'est pas un nombrilisme paradoxal, ne se rendent pas compte à quel point on est contre-cyclique à plusieurs reprises. Déjà, 58, c'est assez contre-cyclique. D'arriver avec cette réforme des institutions, c'est pas très tendance en 58. C'est également, on n'y prête pas non plus assez à cette question, mai 68. Quand on parle de mai 68, on dit, oui, mais pendant ce temps-là, Mexico, Prague, etc. Mais ça n'a rien à voir. Il n'y a que la France qui a un mouvement qui ébranle le sommet. À Mexico, on fusille les étudiants, ça règle le problème, et à Prague, c'est à peu près la même chose. Nous sommes contre-cycliques. On est les seuls. Et 81, c'est complètement contre-cyclique. Après l'élection de Thatcher, de Reagan, Jean-Paul II et Roménie, c'est complètement contre-cyclique. C'est-à-dire que François Mitterrand, je ne suis pas du tout. Oui. Voilà. Et je préfère quand on parle de la France que des faits internationaux. Je m'inscris complètement. Fin du débat, toujours avec François Hollande de préférence. Mais, et dernier point, je ne citerai pas l'élection de François Hollande contre-cyclique, parce que je ne crois pas. Et l'élection d'Emmanuel Macron est contre-cyclique, puisque ce n'est pas une élection indexée, cette fois-ci, oui, sur le populisme. L'élection de Macron a une dimension populiste, c'est le dégagisme. Mais pour le reste, quelqu'un qui dit l'Europe, 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 et qui dit conciliant en même temps les extrêmes, c'est pas précisément populiste. Donc nous sommes contre-cycliques, c'est très étrange. Alors notre responsabilité, c'est généralement d'être pionniers, et généralement on fait mieux que nous. Par exemple, en matière de populisme, le Front National, ça m'agace un petit peu qu'on se regarde le nombril, il y a encore déjà une dizaine d'années, en parlant Front National, Front National, Front National. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passait? Aujourd'hui, le plus grand parti populiste au monde, c'est pas évidemment le Front National, c'est même pas le parti des Finnois de souche, qui est quand même dans la majorité gouvernementale en Finlande, vous imaginez en Finlande les populistes dans le gouvernement. Non, c'est le BJP, c'est le parti du peuple indien, c'est le plus grand parti du monde, il a plus d'adhérents que le Parti communiste chinois, c'est un parti populiste. Donc cessons de considérer tout à l'ombre de la France. Très bien, monsieur le Président, est-ce que vous êtes d'accord avec cette causalité avec Pascal Aubry? Sur la spécificité française, je ne sais pas s'il faut s'en féliciter ou au contraire s'en inquiéter. C'est vrai qu'il y a en France une culture politique, une histoire. Est-ce que nous sommes vraiment contre-cycliques? Et tout à l'heure, Pascal évoquait le boulanger. C'est très intéressant de voir la récurrence des thèmes d'aujourd'hui par rapport à une situation qui était la fin de 19e siècle. Sur ce sujet de la spécificité française, je suis un peu en contradiction avec Pascal Horry sur l'élection de 2017. On finirait par oublier que le Front National, un candidat, a fait 35% des suffrages au second tour de l'élection présidentielle. Mais il n'a pas été vu. Non. Mais personne ne pensait qu'elle serait élue. Tout le monde pouvait craindre qu'elle fasse encore davantage. C'est un vrai sujet. De même elle ne pensait pas. Mais c'est employé en tout cas, je ne sais pas s'y parvenir. Mais elle a quand même fait le double de son père en 15 ans. Donc on voit bien qu'il y a en France cette réalité de l'extrémisme. Sur les mouvements culturels, c'est, je crois, grâce à Pascal, qu'on a pu avoir cette interprétation de ce que ces mouvements culturels pouvaient avoir comme conséquences politiques. Il faut bien voir que l'individualisme avec les réseaux sociaux, ça déstructure les organisations traditionnelles de la représentation politique. Aussi bien les partis, et bien avant qu'il ne leur arrive ce qui s'est produit avec le dégagisme. Le dégagisme étant lui-même un produit de l'individualisme et des réseaux sociaux dans leur manifestation, même si les réseaux sociaux peuvent aussi faire le meilleur. On a parlé de ce qui s'est produit au moment des printemps arabes, au moment de Charlie, ou on pourrait dire de MeToo. Mais quand c'est
c'est positif, c'est éphémère. Quand c'est négatif, ça dure. Donc, l'individualisme plus les réseaux sociaux, plus cette volonté d'être un acteur par soi-même, fait qu'on est dans la culture de l'entre-soi et du tout seul. Et donc, quand on conjugue l'entre-soi et le tout seul, l'individualisme et le nationalisme, c'est là qu'on peut trouver les formes de populisme, qui trouvent appui sur l'individu qui s'érige lui-même en censeur et qui veut rester dans l'entre-soi. Et d'ailleurs, il faut aussi s'en méfier, on cherche maintenant, y compris dans les réseaux sociaux, ces semblables. On ne cherche pas à discuter avec les autres, on cherche à discuter avec les nôtres. Donc la coïncidence de l'individualisme, du nationalisme et de la recherche de l'identité, tout ça produit à l'évidence des mouvements politiques qui ne vont pas dans le sens de la démocratie. Et si je veux conclure sur ce point, je pense que l'alerte doit être lancée, sonnée. La démocratie aujourd'hui est sans doute une réalité que nous avions pensée comme irréversible. Un progrès de l'humanité que l'on pensait être, évidemment, la loi de ce que devaient être toutes les civilisations, eh bien, nous constatons qu'aujourd'hui, et à l'intérieur de la démocratie, et à l'extérieur des démocraties, il y a des menaces qui sont à l'œuvre, et donc notre premier devoir, au-delà même de ce qu'est notre sensibilité politique, doit être la défense de la démocratie. Quand je dis la défense de la démocratie, ce n'est pas la défense du suffrage universel. Je pense que celui-là, il est là et il va durer. Non, ce sont toutes les institutions qui représentent la démocratie. C'est tout ce qui contribue à la démocratie. C'est tout ce qui va permettre aux citoyens d'être réellement considérés et respectés et représentés. Il y a une autre logique qui est à l'œuvre. C'est qu'il est très difficile aujourd'hui de faire entendre raison. C'est d'ailleurs très lié à la démocratie. La démocratie, c'est le régime de la raison. Mais quand la raison s'échappe, plus exactement, s'efface, quand être raisonnable n'est plus regardé comme étant convaincant, là est la grande menace pour la démocratie. Quand entre un populiste, qui est généralement un simpliste, et un raisonnable, qui n'est pas nécessairement un intellectuel, il y a quand même une difficulté à faire entendre la voix de l'équilibre, de l'harmonie et de la pacification des esprits. Et c'est pourquoi je pense que dans cette période, c'est intéressant de voir que Barack Obama a eu exactement la même réflexion. Enfin, lui, il a une expérience in vivo, si je puis dire, pour les États-Unis. Mais nous le vivons partout en Europe. S'il y a une cause qui mérite d'être défendue, bien sûr, c'est celle de l'individu dans ses droits, c'est d'abord celle de la démocratie. Merci, Monsieur le Président. J'ai juste une question. Vous sentez-vous une communauté de destin avec Barack Obama? Si vous voulez dire qu'on a quitté le pouvoir à peu près au même moment, oui. Si vous voulez dire que être ancien président est un destin, je l'accepte. Et finalement, la compagnie de Barack Obama m'est préférable à bien d'autres compagnies d'anciens présidents de la République. Non, je pensais surtout au caractère, au format intellectuel et à l'esprit de nuance. Jean-François Sirinelli, dans votre livre que j'ai cité tout à l'heure, pas l'an dernier, vous avez un constat que je trouve que très clair de l'élection de François Hollande. Un chapitre vous est consacré, Monsieur le Président, à la page 333. François Hollande, une victoire en trompe-l'œil. Ça n'est pas désagréable. C'est le constat d'un historien et d'un historien politiste. Avec deux faits majeurs qui définissent le mandat de François Hollande comme tout à fait exceptionnel. D'une part, parce que vous annoncez le 1er décembre 2016 que vous ne serez pas de nouveau, enfin, pas de nouveau candidat à votre réélection, du jamais vu sous la Ve République. Et deuxièmement, ça c'est un peu moins flatteur, parce que jamais, depuis 1958, aucun parti politique, en l'occurrence le PS, ça fait bizarre de dire ça aujourd'hui, ne s'était retrouvé dans une situation électorale aussi florissante, je cite Jean-François Sirinelli, jamais aucun parti
l'avait rassemblé sous la Ve République. Autant d'atouts et de ce fait une telle marge de manœuvre politique au seuil du mandat présidentiel de l'un des siens. Jean-François Sirinelli, comment expliquer est-ce que le fait culturel, notamment, a échappé à cette dimension politique, le fait d'accaparer, pas d'accaparer, c'est tout à fait démocratique, mais de détenir tous les lieux de pouvoir territorial, national et une prééminence culturelle n'a pas empêché les difficultés qu'a rencontré François Hollande. Vous avez une explication, et j'aimerais que, dans votre livre, mais j'aimerais que vous me la donniez in vivo, s'il vous plaît. D'abord, bonjour à toutes et à tous, je me réjouis d'être là aujourd'hui. Bonjour, monsieur le président de la République. Je ne veux pas naturellement éluder la question que vous venez de poser, mais en même temps, l'historien n'est pas membre d'un tribunal de l'histoire. L'historien essaye de comprendre l'histoire, y compris l'histoire récente. Et tout ce qui a été dit et bien dit dans la demi-heure qui précédait nous invite, y compris pour répondre à votre question, à placer notre réflexion sur la France 58-2018, puisque c'était le titre de notre rencontre, à placer précisément cette France sur, sinon la longue durée, en tout cas la moyenne durée de plus d'un demi-siècle. Et je reviendrai pour finir à votre question, et je voudrais, puisque le titre de notre réunion nous y invite, revenir en grand angle. Pourquoi revenir en grand angle? Parce qu'on comprend mal ce qu'est le destin de la Ve République, y compris donc les mandats successifs, y compris les derniers mandats les plus récents, si on ne replace pas cette histoire de la Ve République à la fois dans ses 60 ans d'âge et aussi dans l'idée, vous le rappeliez, monsieur le président de séance, en début de séance, que le modérateur. La Ve République est un écosystème, c'est un organisme vivant. C'est-à-dire que, bien évidemment, ces institutions sont essentielles. Hein, tout à l'heure, nous avons eu une déclaration particulièrement importante, puisque le nom de l'ancien président de la République sur ce que devraient être, à ses yeux, les institutions de l'État-nation France. Mais par-delà, ces institutions, qui, je le répète, sont essentielles, ce qui compte aussi, c'est le rapport entre ces institutions et l'environnement sociopolitique et, nous y voilà, socioculturel, hein, qui est tout autour. Or, cet environnement, c'est tout simplement notre communauté nationale. Et cette communauté nationale, en 60 ans, elle a profondément changé. Elle a profondément changé, c'est toujours le cas en histoire, mais elle a changé plus rapidement peut-être que dans toutes les autres phases de notre histoire nationale, sauf naturellement dans les moments de fracture révolutionnaire. Et je n'ai lu toujours pas votre question, mais il faut bien voir que quand on parle de la Ve République, on parle d'abord d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître, et par-delà la boutade ou l'allusion à une disparition récente d'un chanteur, ce que je vais dire par là, c'est que si on réfléchit par rapport à 1958 et à ceux qui, en 1958, avaient au moins 15 ans, c'est-à-dire étaient capables, en quelque sorte, éventuellement, d'accéder à la conscience politique. Ces gens-là, aujourd'hui, ont 75 ans ou plus. Et ces gens-là ne représentent plus que 9% de la population. Donc je vous parle d'un temps que, de fait, 91% de la population française actuelle n'a pas connu. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'actuellement, ce régime de la Ve République est un régime que j'appellerais de troisième génération. Et par rapport au récit des origines, c'est-à-dire aux conditions, aux souvenirs des conditions de la naissance de cette Ve République, hein, les 9/10 de la population n'a plus ce contact direct, ce qui est d'ailleurs, j'allais dire, le cas de tous les régimes à un moment donné. Sauf que ce régime-là, parallèlement, en 60 ans, ou plus exactement le pays qui porte ce régime, a plus changé qu'aucun autre pays. On a fait allusion tout à l'heure aux 30 Glorieuses. Peu importe que ces 30 Glorieuses aient été ou pas mythifiées, il y a une réalité. Une réalité, c'est que cette Ve République, elle est née à une époque qu'on pourrait définir par 4 P. La paix, en tout cas à partir de 62, à partir de la fin de la guerre d'Algérie, la prospérité, le plein emploi et le progrès comme ligne d'horizon.
comme ligne d'horizon, c'est-à-dire l'idée que demain serait meilleur qu'aujourd'hui et a fortiori qu'hier, mais ce n'est pas simplement l'idée, c'est la réalité. Dans ces années 60, demain était meilleur qu'aujourd'hui ou hier. Ça, c'était les conditions d'essence, c'est-à-dire que quatre bonnes clés se sont penchées sur le berceau de cette jeune cinquième année. Sauf que, ensuite, je vais être bref, j'en arrive à votre question, les présidents de la République, les plus récents, ont eu à affronter, et j'emploie les cinq verbes affronter, une vue que, dont je disais tout à l'heure, que notre pays n'en a jamais connue, en tout cas de façon aussi rapide, aussi profonde, dans son histoire, en, je le répète, période avec Michel. Je m'explique et je vais très vite. Première mue, ou plus exactement, puisque l'autre élément de notre titre, ce sont les crises. Premier élément, bah, tout simplement, le changement de conjoncture à partir de milieu des années 70. Le problème, c'est que ça n'a pas été simplement un changement de conjoncture, je fais allusion, ou de choc pétrolier hein, successif, ça a été un changement structurel. C'est-à-dire qu'à partir de là, notre pays est entré dans une sorte de crise de langueur, mais qui s'est éternisée. Et la crise de langueur est devenue une crise de longueur. Et donc chaque président successif s'est trouvé confronté, en quelque sorte, non pas à une atonie, ce serait excessif, mais effectivement à une dévitalisation. Et l'une des fonctions des présidents successifs n'était pas simplement, comme ça doit être le cas, de réformer, mais aussi d'empêcher de dévitaliser. C'est une tâche, si on y réfléchit, qui a sa noblesse, qui est essentielle, hein, puisqu'on se trouve à la tête d'un État-nation, mais aussi à la tête, d'une certaine façon, d'une communauté nationale. J'accélère et je termine en disant que ça, ça n'était que le début, non pas de la fin, mais le début d'un processus qui fait que ce pays, qui était un pays industrialisé, et vous vous rappelez que le grand rêve, notamment, de Georges Pompidou, Premier ministre, puis président de la République, c'était de faire de la France l'une des trois ou quatre grandes puissances industrielles. Il y a eu un moment où on a caressé l'espoir que la France serait ce qu'elle n'est plus, puisque nous sommes, selon les classements, sixième ou septième. Donc, il y a, par rapport à cette France industrielle, n'oubliez jamais, tout à l'heure, Pascal parlait de 68, on a 68 les éléments, certes, mais on a aussi un recensement. Et ce recensement, il est passionnant, puisqu'on a notamment la population active. Et la population active, c'est 39,8% du secteur secondaire. En d'autres termes, on oublie qu'il y a à peine 50 ans, hein, presque la moitié de la France, en tout cas de sa population active, était ouvrière. Or, nous sommes entrés, entre-temps, c'est une banalité de le rappeler, en même temps, l'historien du temps présent manie quelquefois des banalités, parce qu'elles sont devenues banales, ces choses, parce qu'elles ont été massives, c'est une banalité de dire que nous sommes entrés dans une société post-industrielle. Donc, tout chef de l'État successif a eu à gérer cette entrée d'une France longtemps industrielle dans une société post-industrielle. Je laisserai de côté, mais c'est essentiel bien évidemment, l'autre aspect de l'évolution qui est la globalisation. Et je me permettrai, Monsieur le Président de la République, de vous poser une question. Avez-vous le sentiment que par rapport à lui, c'est-à-dire l'être premier président de la République, de la Ve République, la marge de manœuvre, non pas institutionnelle, qui est restée à peu près la même, mais la véritable marge de manœuvre, c'est-à-dire celle qui est historique, hein, le pouvoir d'autonomie du président, par rapport à l'histoire se faisant, l'histoire avec un grand H, est-ce que cette marge de manœuvre s'est réduite, moi, mon hypothèse? Bien évidemment, c'est que oui, de part, tout simplement, la globalisation. Et je terminerai, M. Macarian, par une dernière remarque. Tout à l'heure, notre ancien président s'est posé à juste titre, de mon point de vue, en lanceur d'alerte. L'alerte sur la démocratie. Et effectivement, nous réfléchissons aujourd'hui sur la Ve République, notamment, puisqu'on nous invite à réfléchir sur les 60 dernières années. Qu'est-ce que c'est les 60 dernières années? C'est l'histoire de la Ve République. Et qu'est-ce que c'est cette Ve République? C'est la forme française de la démocratie libérale. Or, c'est vrai qu'on a cru, et notamment ma génération, qui est aussi celle de Pascal, que 1989, enfin on a cru, ou on a pu croire, ou laisser croire,
que 1989 terminait un cycle. Vous vous rappelez Fukuyama qui parle donc effectivement de la fin de l'histoire, ce qui pouvait faire sourire un historien puisqu'il n'y a jamais de fin de l'histoire. Et ce qu'il voulait dire, c'est que la démocratie libérale devenait un petit peu l'horizon, pas un petit peu, devenait réellement l'horizon indépassable de notre histoire. C'est le contraire qui s'est produit. Et c'est le contraire qui s'est produit, et de fait, le drame, si j'ose dire, j'en termine par là, de la Ve République, c'est que ne sait pas qu'elle est 60 ans. Dans le fond, une longévité, à un moment donné, peut devenir pérennité. Ça a été le cas des grands régimes anglo-saxons, notamment. Donc l'entrée dans le Troisième Âge, en quelque sorte, pour certains régimes politiques, est l'entrée, sinon dans l'éternité, en tout cas dans la pérennité. Le problème de la Ve République, c'est que cette Ve République entre dans ce Troisième Âge au moment où la démocratie libérale connaît probablement des défis sans précédent depuis l'entre-deux-guerres du XXe siècle. C'est-à-dire que la démocratie libérale se trouve confrontée de nos jours non seulement à des modèles concurrents, mais des modèles qui ne sont pas que concurrents, qui se veulent agressifs, mais des modèles qui sont en même temps des copies, c'est-à-dire qui, et notre président de la République a eu raison de signaler que, par exemple, ce n'est pas le problème du suffrage universel qui est en cause dans cette crise, puisque le problème de ce qu'on appelle les démocratures ou l'illibéralisme, c'est que nous avons apparemment des démocraties, sauf que ce sont des démocraties qui ne fonctionnent qu'en altérant les principes de la démocratie. Et donc je termine en disant que, de fait, pour revenir à votre question, c'est vrai, je constate en historien, et je le dis en humilité, car l'historien est là simplement pour essayer d'analyser, de donner du sens, que en 2012, c'est vrai, le PS a occupé des positions, mais qui étaient des positions comme on n'en avait pas connues jusque-là, sous la Ve République, puisque le général de Gaulle, par exemple, avait contre lui le Sénat, alors qu'en 2011, le PS avait conquis le Sénat. Et donc, à partir de là, la question n'est pas de savoir s'il y a un échec ou pas échec, la question est de voir que même en partant de positions que je vais voir qu'il y avait dans mon livre de florissante, même avec en quelque sorte ces flancards, un régime politique où le président qui à un moment donné se trouve en situation historique face à un certain nombre de défis, quelquefois n'est pas dans une situation d'impuissance, mais quelquefois dans une situation effectivement de perte partielle de contrôle. La réponse de François. Je vais répondre à deux questions. La vôtre, d'abord. Capacité d'un président de la République dans la globalisation à disposer d'une capacité d'intervention. Première question, est-ce que le Parti socialiste était dans une situation florissante en 2012 quand j'ai été élu président de la République? Il l'était au plan local puisque ce parti était resté 10 ans dans l'opposition, de 2002 à 2012. Or, il y a une loi politique fait que les partis qui sont dans l'opposition gagnent généralement les élections locales. Donc comme le Parti socialiste était resté longtemps dans l'opposition, il avait gagné beaucoup d'élections locales. Ce qui l'avait amené, c'est vrai, à devenir de manière exceptionnelle sous la Ve République, majoritaire, y compris au Sénat. Ça n'a duré que 2 ans. Deuxièmement, est-ce que le Parti socialiste était idéologiquement dominant en 2012? Sans aller jusqu'à l'analyse de Pascal Horry sur le contre-cyclisme de ce que peut être la France, mais en 2012, le Parti socialiste n'était pas idéologiquement en France et la social-démocratie idéologiquement en Europe majoritaire. Quand je suis arrivé au Conseil européen en mai 2012, je suis élu président de la République, avant, donc en mai 2012, je me retrouve dans une table avec 27 autres personnes, dont certaines étaient connues de moi et d'autres pas, mais néanmoins, je fais rapidement mes comptes sur qui est socialiste autour de la table, et avec une définition assez large du socialisme. Je n'en trouve que 4. Donc, parler de domination idéologique ou politique en 2012, la session
convaincre, mais c'est trop tard, que 72% au second tour de l'élection, je n'obtiens malgré tout que 52%. Ça suffit pour être président de la République. Il faut bien comprendre que le véritable score, celui qui va donner de la capacité pour agir, ce n'est pas le score de second tour, c'est le résultat du premier tour. Si je fais le total des voix de gauche en 2012, premier tour, c'est 42%. Ça veut dire que pour 28%, sont ajoutés les 11% de Jean-Luc Mélenchon, qui n'était déjà pas disposé à mon égard de la meilleure des façons. C'est en tiré depuis, mais c'était déjà là. Et il n'avait même pas appelé à voter pour moi au second tour. Il avait demandé à ne pas voter pour mon concurrent de second tour. Et il avait pire la fois que nous connaissons en 2017. Mais ça ne donnait pas une assise politique très grande. Et malgré tout, 42% de total gauche. Comment fait-on pour arriver à 52%? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des électeurs qui avaient pu voter le Front National, c'est ça, au premier tour de l'élection présidentielle, pour écarter le candidat en l'occurrence Sarkozy, ont voté. Donc ça ne donne pas une majorité sociologique très forte. Et d'ailleurs, assez rapidement, les sondages indiquent que la popularité du président de la République, c'est assez voisin de son résultat du premier tour. Alors, quelles leçons on tire? Il faut, dans ces cas-là, soit que le parti majoritaire, qui doit être conscient qu'il n'est pas majoritaire, il l'est arithmétiquement, il l'est à l'Assemblée nationale, il ne l'est pas politiquement. Il doit être donc d'une solidité, d'une solidarité des peuples, je n'ai pas besoin de dire ce qui s'est produit pendant ces 5 ans. Ou alors, deuxième option, c'est de faire une coalition politique qui puisse donner une assise au président de la République, qui fasse qu'il ait, au-delà même de son score du premier tour, une possibilité de convaincre des électeurs qui n'auraient pas forcément voté pour lui au premier tour, mais qui l'auraient fait au second tour. Or, la logique de coalition politique, ça changera peut-être, n'est pas au cœur de la Ve République. Ce qui est d'ailleurs un des problèmes de la Ve République, c'est qu'elle donne au président de la République effectivement la légitimité. Elle lui permet d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale, avec des taux d'abstention qui sont devenus maintenant considérables. Mais la majorité à l'Assemblée nationale n'est pas véritablement la majorité du pays. Et on le voit et on le constate aujourd'hui. Je n'irai pas plus loin. Donc, est-ce que ça empêche le président de la République de diriger le pays? Non. Et j'ai atteint des taux d'impopularité assez élevés dans le pays. Et ça ne va jamais en fait. Oh, vous devez vous sentir moins seul depuis. Oui. Et bonsoir, bien sûr. Il y a même un club qui va être. Oui. Mais. Vous en portez la présidence? Si je dis que j'en disais une autre. Alors. Mais d'abord, quand même, je pense à un phénomène qui est lié justement à ce que je viens de dire sur politique de l'élection présidentielle et sur lesquels chacun doit réfléchir et sur le fait qu'il n'y a pas de majorité véritablement représentative à l'Assemblée. Mais ça ne va jamais empêcher d'agir, y compris dans des circonstances exceptionnelles. Et ça n'a jamais empêché les Français d'avoir une confiance tout à fait forte à l'égard du président de la République au moment des résultats, au moment des décisions, etc. Ça, c'est très important. Ça prouve que, au-delà de tout, la Ve République donne au président, au chef de l'État, les capacités d'agir qu'on ne trouverait pas nécessairement dans d'autres démocraties, notamment parlementaires. Ça ne prémunit pas, ça ne prédispose pas à être candidat même une deuxième fois, ou à le faire élire une deuxième fois, ce qui est quand même devenu exceptionnel sous la Ve République. Alors après, il y a la deuxième question, qui est de savoir si dans la globalisation ou dans l'Europe telle que nous la connaissons, le chef de l'État, la France, a une capacité aussi grande qu'en 1958. Non. Même si, bon, c'est quand même pas la réalité. Pour le général de Gaulle, c'était le général de Gaulle. Et
pouvoir était effectivement, comme l'a dit Pascal, assez exceptionnel. Mais même le général de Gaulle s'est retrouvé isolé sur le plan international, y compris pour régler la question algérienne, et le général de Gaulle n'a pu retrouver une forme de domination moins politique, si elle était plus réduite sur le plan international, que parce qu'il prenait des initiatives dans le cadre de la guerre froide. Mais pour le reste, il était aussi contraint par des États-Unis qui, dans la période des années 60, étaient dans une domination impériale et avec une Union soviétique avec laquelle il pouvait discuter le général de Gaulle. Enfin, pas lui faire un jure, je veux dire qu'il n'a pas obtenu de l'Union soviétique beaucoup de concessions. Bon. Alors, je reviens au sujet parce qu'il est majeur. Est-ce que ça voudrait dire, est-ce que dans la mondialisation, ça vaut encore la peine de voter? Est-ce que ça vaut la peine de désigner un candidat, puis ensuite de voter pour un président, s'il ne peut rien faire? Alors, moi, je vais vous dire mon expérience. À l'évidence, le président de la République française ne peut pas changer les règles du commerce international à lui seul. Enfin, il peut éviter qu'elles soient déchirées comme aujourd'hui. Le président de la République française ne peut pas réorienter l'Europe à lui seul. Mais quand même, il peut avoir des délais et éviter l'austérité partout, et il peut préserver la Grèce et la laisser dans la zone de l'euro. Un président de la République française ne peut pas régler à lui seul la question syrienne, et notamment l'utilisation des armes chimiques qui auraient appelé une frappe, des frappes, sur le régime et les institutions de Bachar al-Assad. Mais qui a fait défaut? Les États-Unis, mais c'est vrai. La France ne pouvait pas agir sur la question. Mais la France, et ça il faut que nous en soyons tous convaincus, et notamment le peuple français dans ses profondeurs, la France est un des 3-4 pays du monde qui peut agir, qui peut prétendre qu'il peut agir. Lorsqu'il y a des élections, et là aussi je ne ferai insulte et injure à personne d'autre en Europe, lorsqu'il y a des élections dans un pays, c'est d'abord pour une question nationale, question domestique, éventuellement, et tant mieux, pour un sujet européen. Mais ce n'est pas pour un sujet mondial. Même en Allemagne, grand pays, les élections allemandes sont d'abord des élections intérieures, et on va en vivre quelques jours. En France, quand vous désignez, vous choisissez le président de la République, vous permettez à la France d'avoir une politique qui va avoir des conséquences. On l'a vu sur l'accord sur le climat, on l'a vu sur la question iranienne, on le voit sur un certain nombre de sujets, c'était vrai avant moi, mais la France peut agir. Alors elle est sous contrainte, bien sûr, dans des règles européennes notamment, elle est avec d'autres sur le plan mondial, mais elle peut agir. Et c'est pourquoi la responsabilité du peuple français, quand il choisit le président de la République, est aussi là. D'une autre façon, à un niveau moindre, la responsabilité du peuple américain de choisir son président est considérable, pas simplement pour le peuple américain, mais pour le monde. Quand on élit Donald Trump, ça n'a pas des conséquences simplement sur savoir ce qui va se passer aux États-Unis, ça a des conséquences partout dans le monde. Donc il faut avoir, nous Français, cette conception élevée de ce qu'est l'élection présidentielle et de nos choix pour le monde. Je vais terminer, parce que je pense que je vais laisser la parole à d'autres. Sur les institutions, on en a parlé, elles ont montré une grande plasticité et une grande possibilité pour les acteurs de jouer leur rôle. Mais ce qui se produit, ça c'est pour moi le sujet majeur, c'est qu'il y a une prise de distance. On peut avoir des institutions qui apparaissent solides, et si ça se passe ailleurs, si le sujet de la contestation, de la revendication, de l'aspiration se passe ailleurs, c'est là qu'il y a danger, non pas pour les institutions, comme on l'a dit, mais pour la démocratie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de ces paroles très fortes. J'ai une dernière question, parce que l'heure tourne et nous arrivons au terme de ce débat. Malheureusement, nous pourrions poursuivre encore une heure ou deux, c'est tout à fait passionnant. Mais j'ai une question que j'emprunte d'ailleurs à Jean-François Sianelli et que j'adresse à vous trois, messieurs, en commençant par le Président.
Et il y a tout à l'heure un fait tremblant. En 2018, aujourd'hui, la 5e République semble avoir renoué par la force des choses, par raison de la vague des vagues terroristes que nous avons subies, avec un langage que vous-même avez défini, un langage qui a emprunté au langage guerrier. Vous avez parlé de guerre, et effectivement, la logique de défense, d'autodéfense, de contre-terrorisme, est, à certains égards, évoque les débuts de la 5e République au moment de l'affaire algérienne, comme vous le disiez vous-même. Est-ce que, avec la même honnêteté intellectuelle que vous avez employée à l'égard de l'expression président Darmanin, est-ce que vous regrettez d'avoir employé ce terme de guerre rétrospectivement? Car il est lourd de sens, même si je reconnais à ce moment-là, en tant que journaliste, j'ai pensé comme vous que c'était le terme approprié. J'ai employé le mot guerre dans un discours prononcé au congrès à Versailles pendant l'ensemble des parlementaires au lendemain des attentats du 13 novembre. Je n'avais pas utilisé ce mot au lendemain des attentats contre Charlie et contre Liberté Chagou. On se posait la question. Pourquoi? Parce que le 13 novembre, nous sommes victimes, nous sommes la cible d'une attaque qui vient de l'extérieur, pensée par un groupe terroriste installé en Syrie et en Irak et qui utilise des terroristes islamistes de Bruxelles, mais aussi de France. Donc, je considère qu'on nous fait la guerre et qu'il faut répondre avec l'état d'urgence à cette guerre, qui est une guerre particulière, une guerre spécifique, qui est une guerre à la fois extérieure et intérieure, où l'ennemi n'a pas d'uniforme. Mais nous savons que nous sommes en face d'un processus qui doit nous amener à utiliser nos forces armées. Et d'ailleurs, dans le fameux discours, j'annonce que nous allons frapper encore davantage les groupes terroristes Daesh en Irak et en Syrie. Et c'est vrai, je le reconnais, je vous demandais de la franchise. Utiliser le mot guerre peut faire appel à l'histoire des formes dramatiques et de privation de liberté. Puisque on passait d'un état de paix à un état de guerre, donc ce qui supposait de changer les règles. Or, j'ai veillé à ce qu'on ne change pas les règles, même s'il y a eu ce débat, pas l'écarté, sur l'état d'urgence et sur la déchéance de la souveraineté qui a pu susciter des contestations, en tout cas des problèmes. Moi-même, j'en dirai une conclusion. Sur, ensuite, ce que je débarque pour la banque, je vais laisser Pascal Horry, Jean-François Sivinelli conclure. L'enjeu, je crois que nous tous, compte tenu de ce que l'on voit, de ce que l'on perçoit, de ce qui est à l'œuvre, qu'on a caractérisé, individualisme, identité, compte sur soi, nationalisme. Et avec des phénomènes qui ne vont qu'accélérer ce processus, notamment cette nouvelle configuration médiatique et cet affaiblissement des partis, qui n'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie. Qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan politique et sur le plan culturel? Il faut remettre du commun. Il faut remettre ce qui unit l'individu et la société et la nation. Voir, si on raisonne à l'échelle de l'Europe et du monde, ce qu'il y a de commun sur notre continent et sur la planète. Si nous ne parvenons pas à mettre du commun, eh bien, il y aura une destruction lente du lien social et du lien même national. Qu'est-ce que c'est que le commun? Le commun, à l'évidence, il est compris comme tel, pour la planète, c'est l'enjeu du climat. Qu'est-ce qu'il y a de commun pour l'Europe? Ce qu'il y a de commun, ce sont des valeurs partagées, pas simplement une monnaie et un marché, et c'est une capacité à pouvoir porter des projets que nous ne pourrions pas mener à l'échelle de chacun de nos pays. C'est parce que l'Europe
n'arrive plus à définir le commun qu'elle est entrée. C'est ça. Quand on n'est pas capable de définir le commun sur la question des réfugiés, sur la question de l'écologie et sur la question de la défense et de la sécurité face au terrorisme, forcément, on connaît une crise. Qu'est-ce qu'il y a de commun dans une nation comme la nôtre? C'est de savoir si chacun pourra s'émanciper et connaître la réussite de son existence à égalité par rapport aux voisins. Qu'est-ce qu'il y a de commun? C'est aussi la question de la sécurité et de la protection par rapport aux dangers extérieurs. Ça, je reviens sur cette idée qu'à un moment, quand il y a un risque de dislocation du pays, et c'était le cas après les attentats du 13 novembre, il faut mettre autant qu'il est possible du commun sans tomber dans ce qui pourrait être une forme aussi de dépassement de ce qui a fait notre démocratie. Et donc tout l'enjeu politique des prochaines années, c'est de savoir si le commun va être partagé ou si au contraire, chacun voudra être tout seul avec ceux qui pensent comme eux, c'est-à-dire finalement une forme de communautarisme, de fractionnisme et d'identitaire. Le nationalisme pourra être aussi la réponse. Parce que dans les démocraties, on appelle libéral, c'est pas un nationalisme de conquête, puisque la nouvelle ordre, la Hongrie n'a pas revendiqué d'envahir l'Autriche ou la Pologne-Ukraine. Non, c'est pas un nationalisme de conquête. C'est un nationalisme de repli et d'enfermement. Et tous ceux qui d'ailleurs disent qu'ils veulent sortir de tous les traités de l'Union européenne, de la zone euro, et même de l'OTAN, ça arrive, sont dans un nationalisme de repli. Et Donald Trump, c'est le nationalisme de repli. Mais le nationalisme de repli se fait au détriment forcément des autres. Et le nationalisme de repli, d'une certaine façon, comme l'a dit François Mitterrand, ça fait la guerre aussi. Alors ça s'appelle la guerre commerciale, ou la guerre à tous ceux qui sont différents. Et c'est pourquoi je pense que l'enjeu du commun est majeur. Merci, Monsieur le Président. Pascal Horry, une brève conclusion de ce débat très riche et ensuite la même conclusion de la part de Jean-François Stéline. Merci. Oui, une conclusion qui sera une réponse à votre question sur la relation de guerre. Et entre parenthèses, il y a 30 ans, est-ce qu'on aurait conclu sur la guerre, hein? C'est très significatif. L'eau qui a coulé sous les ponts. Alors, 4 points très rapidement, 4 phrases seulement. Parce que la guerre, pour simplifier, c'est la violence érigée en institution. Et d'autre part, c'est l'autorité instaurée comme valeur politique suprême. On est bien d'accord, c'est ça la guerre. Et donc, premier point, écoutez, on s'était endormi sur l'idée de la périphérisation de la guerre. Hein, la France et beaucoup d'autres pays, on continue à connaître la guerre immédiate. Je pense que c'est peut-être ça qui était la normalité, cette périphérisation. Et avec la globalisation, bien entendu, la guerre ne peut pas rester périphérique. Elle entre chez nous. Et on pourrait revenir sur la question du terrorisme, qui est quand même, dans la définition de Clausewitz, c'est-à-dire de prolonger la politique par d'autres moyens et de réinstaurer la guerre chez ceux qui ne croient pas l'avoir. Ça marche ou ça ne marche pas? Je signale que le terrorisme, historiquement, ça a toujours échoué. Mais ça, c'est un vaste problème. Deuxième réponse... Politiquement, oui. Oui, politiquement. Donc c'est son but étant politique. Oui, oui. Au sens large, même pour un islamiste, c'est un but politique, oui. Hein, c'est clair. Deuxième élément, toujours dans la violence, dans la définition, j'ai donc... l'année dernière, donner la définition du populisme comme droite radicale dans un style de gauche radicale. Le point commun, c'est l'adjectif radical. La définition que je donnais aussi de la radicalité est la suivante, alors on peut faire plein de colloques là-dessus, utopie plus guerre. Si vous avez une utopie seule, j'allais dire, pour ça, pour faire comprendre, on a Pierre Rabhi, si vous avez une utopie plus guerre, c'est OK. Et donc, effectivement, l'efficacité du populisme, c'est entre autres, mais intrinsèquement radical, donc guerrier. Évidemment, il y a un radicalisme à gauche. Troisième élément, et là on n'est plus dans la violence institutionnalisée, on est dans l'autorité comme valeur. Je voudrais quand même rappeler une chose très simple, dans le mot démocratie, il n'y a pas un espace pour le mot liberté. La démocratie, c'est de pouvoir confier au peuple, par le peuple, pour le peuple, tout ce que vous voulez. Donc, dans l'histoire du monde, depuis au moins les tyrans grecs jusqu'à nos illibéraux, vous avez quantité de démocratie autoritaire. Où est-ce que vous avez vu que démocratie c'était politiquement libérale? Et la France était assez pionnière, ça s'appelait le bonheur. Là, on peut rendre hommage comme Jean-François à prendre des raisons. Quatrième élément,
toujours dans la question de l'autorité, effectivement, parlons quand même d'un désordre qui est à l'ordre du jour en permanence depuis quelques jours, à travers le rapport du GIEC. Le plus grand désordre actuellement et dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, les prochaines décennies, peut-être pas les prochains siècles, parce qu'on n'aura peut-être pas beaucoup de siècles, c'est le désordre écologique. Or, la seule réflexion politique en tant qu'historien que je fais, c'est qu'il n'y a aucune raison de penser que l'aggravation qu'on nous annonce d'un désordre écologique aboutisse fatalement à une société libérale libertaire. Que le mouvement écologique politique soit majoritairement libertaire, ça ne veut pas dire que les conclusions politiques qui seront enregistrées quand il y aura vraiment le feu au lac et Fukushima partout, ce soit libéral. Il est évident que le plus vraisemblable, c'est que nous irons dans ce cas-là vers des sociétés de plus en plus autoritaires, voire totalitaires. Merci Pascal. Jean-François, à votre tour de conclure. Oui, très, très brièvement, parce que l'heure a tourné, il est bien tourné. Donc, je remercie les organisateurs d'avoir placé notre réflexion commune sous le signe à la fois du politique et du culturel, je dirais pour ma part du socio-culturel, parce que, effectivement, et notre discussion l'a montré, tout ça est lié, et on retrouve, et ça sera ma conclusion, cette notion d'écosystème, c'est-à-dire que je pense effectivement que le rôle du politique, c'est notamment, et on retrouve, Monsieur le Président, le commun que vous venez d'évoquer, le rôle du politique, c'est de faire société. Et très longtemps, la Ve République a réussi, en quelque sorte, à préserver, à nourrir, à vitaliser l'écosystème de l'État-nation France. Je crois qu'actuellement, nous en avons tous conscience, une des questions majeures qui se posent à ces institutions de la Ve République, c'est est-ce que ce régime est encore capable de faire société, d'assurer ce que vous avez dit, Monsieur le Président, le lien social. Et incontestablement, vous le voyez, cette République, elle est à un cap, d'abord pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, 60e année, 3e génération, l'oubli du récit des origines, mais aussi parce qu'incontestablement, quand on devient vieux, comme un régime est en train de le devenir, il n'y a que deux solutions, soit l'élixir de jouvence, soit une lente mais inexorable dégénérescence. Et donc la 5e République, actuellement, elle est confrontée à cet enjeu, je vais finir sur un mauvais jeu de mots, c'est soit faire son trou au sens de s'établir durablement, soit creuser son trou, effectivement, pour la dépression. Mais comme dit le célèbre aphorisme, à force de faire son trou, on creuse sa tombe. Je voudrais que nous nous séparions avec cette pensée. Jean-François vient d'évoquer l'oubli du récit des origines. Le général de Gaulle, sauf erreur de ma part, Monsieur le Président, à ce jour, est le seul président de la République qui n'a pas terminé son mandat, ce qui n'est pas votre cas, Monsieur le Président. Et merci beaucoup.